Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur TV du peuple RD Congo, une télévision qui a toujours été là pour vous informer, vous donner des informations fiables, mais aussi vous faire voir l'évolution de notre cher beau pays Congo-Kinshasa. Merci beaucoup à mon caméraman Joseph Balandaï, merci beaucoup à mon shooter JBM Jacob Bokutola, merci beaucoup à Symphorien Balandaï. Merci beaucoup au DG d'Horizon Team, André Dupambandibou, qui nous a toujours suivis depuis Kinshasa. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes là pour vous informer de quelques points très importants, des points qui font buzz, rage sur la toile du Cameroun, Italie, Union Sacrée. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe dans l'Union Sacrée? Qu'est-ce qui se passe au juste dans l'Union Sacrée? Les gens disent qu'il n'y a pas d'entente entre Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Félix Tshisekedi, qui est le chef de l'État. Balobi Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba et Tshisekedi Bakutanaki mercredi au Palais de la Nation. Selon ce qui était dit, il n'y a pas eu d'entente entre Batumi et Setouana. Balobi, non, ils sont là pour des postes. Laissez-moi vous rappeler que M. Katumbi Moïse, depuis longtemps, l'a toujours dit que non, Azalakawana pour soutenir chef de l'État, il y a action à y aller. Azalakawana pour la poste T. Mais pour soutenir les actions du chef de l'État, Oeza Malamu Abeta Maboko. Oeza Mabe, il dénonce. C'est ça même l'opposition républicaine que Moïse Katumbi avait choisi de faire. Et M. Jean-Pierre Bemba. Mais ceux qui le luttent comme ils croient que non, Moïse Katumbi Tshiapoué, armé que le Kaba poste, et vous allez m'en mingi. Et vous allez m'en mingi. Vous savez, le chef de l'État disait tout simplement qu'il a subi des humiliations, il a supporté. Et ces humiliations, mesdames et messieurs, ont généré la frustration qui a conduit d'ailleurs à la liquidation de la coalition FCC Cash. Et aujourd'hui, il était supportable et inacceptable de subir le chantage des partenaires de M. Félix Tshisekedi. Voilà, mesdames et messieurs. Ce qui va coûter un acquis pour sur le Cameroun et l'Union Sacrée, moi je vous dis tout simplement qu'ils allaient clairement à poste T. Sauf que chacun a la qui ça qui positionne à yé. Nous tenions ça peut ça qui va idée na yé. Moïse Katumbi Tshiapoué pour appeler ça idée na yé. Jean-Pierre Bemba appelle ça idée na yé yon surtout. Félix Tshisekedi, l'initiateur de cette structure. L'Union Sacrée, parce que c'est juste qu'il est là dans le comme parti politique, dans le pays comme plateforme politique. Mais il y a juste et l'eau que ça créé pour la réunir le peuple congolais. L'Union Sacrée, il y a un peu de Congo. L'Union Sacrée, il y a un peu de Congo. Ils ont parlé pendant plus ou moins 5 heures du temps. Et tant que si l'ici moutounyonso a zonga qui n'a parti naïe respectif, l'ibosso a poulé naïe, a payé si compte rendu. Moïse Katumbi Tshiapoué a payé si compte rendu, a poulé naïe, a député naïe. A la kisi bango, voilà ce que j'ai parlé avec le chef de l'État. Bino siko bo réfléchir, bo tala, oyo il faut ko bongisa, na autre ki kotika. Après, il y a 6 000 là, à qui il y a. Mais il faut voir comment est-ce que Batubazo l'oba, que l'on m'a dit que tout le monde a pu être en avion, en zoloba, mieux vaut que Tikala en Kabila, mieux vaut Félix en Kabila pendant 2 ans, et Tikali, 2023, on a des élections, que Tikala en Union Sacrée. Mesdames et messieurs, c'est faux et archi faux. Vous avez vu où Moïse dire ce genre de propos? Mieux vaut
Félix Tshisekedi a tiré la Kabila pendant 2 ans au Itikali pour 2023 tout qu'il n'a pas pour ami qui est côté la union sacrée pour les années à venir à ta mon côté, mais c'est faux, c'est faux. Là, il y a question, il y a Moutounyonso à réfléchir. Parce que Moïse a beaucoup de députés dans l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Bemba a ses députés dans l'Assemblée nationale. Félix Tshisekedi a ses députés. Baatil Kouébopé a ses députés. Voilà. Donc Félix a reçu que sa décision est mon côté sans qu'il a consulté Jean-Pierre Bemba, Baatil Kouébopé et Moïse Katumbi, ses nouveaux alliés. C'est impossible. Parce que Batouana Bayaki pour la Rosongaye. Batouana Bayaki pour la poste T. Mais ceux qui ont commis les Kamouyakoué et la poste, mesdames et messieurs, vous voyez ma réunion sacrée et que les Moussikati. Parce que quand j'ai l'union sacrée, pas de problème de compréhension et d'interprétation. Où chacun veut la part du lion, ça devait être dangereux. La guerre des postes, ce qui est continué, ça va dénoter déjà. Oh, babengi. Fragilité des bases sur l'union sacrée. Or, l'union sacrée, ils ont basé dans le principe na yango. L'union sacrée est basée na oyeba bengi ba norme. L'union sacrée est basée na oyeba bengi ba préalable. C'est sur ces préalables que ba adhérent nyonso ba participant nyonso ba ko sale là. Les Congolais veulent le développement du pays. Ils veulent le changement de notre pays. Makama makelele oh boy na boga loba ki boy, moi dit que tu m'as le big boy, j'appelle même boy. Makamwa kongola boy yango. Et ce n'est pas ça la vision du chef de l'État, mesdames et messieurs. Boutika bioka yoka. Entre Tshisekedi, Bemba, Félix Lukwebo, likambo ezate. Il s'agit juste likambo attribution, il y a batache. Qui sont compétents dans le domaine Songolo, qui vont assumer telle responsabilité. Voilà les Kamboza wana. Tu sais que Ndenga wana a coqué jamais coupé sa primature, ton perchoir et l'Assemblée nationale à Boka Moto Moussousou. Non. A Kolingate a subi le sous Makambouré a subi Oyo. À Monakina, ex-allié na FCC, où le premier ministre Ilunkamba n'obéissait pas à ses ordres. A Kolingate, à Monsou Makambouana, non. D'où moi je veux dire que ce qui fait ce qu'il dit, a confié Perchoir et à l'Assemblée nationale, Toprimatu Narabouka Moutoumoussousou, ce serait comme s'il donnait du flingue à son ennemi sur le champ de bataille. Et aussi maté. Et aussi maté. Donc je dirais union sacrée. Ils ont tambola malamo, mais bata ko solo la pona, ba attribution ya ba poste, ba attribution ya ba tâche. Voilà le grand problème qui est là. Oh, moi, c'est que tout le monde qui oh, j'appelle même à l'obéboué. Mais c'est faux. C'est faux, mesdames et messieurs. Bientôt, nous aurons un gouvernement. Un nouveau gouvernement. Ceux qui peuvent battre sur le gouvernement, vous allez Premier ministre, sans problème. Ce n'est pas le chef de l'État, il m'a à Koloba. Mais il y a contre. Ma idée est couper ça, primature. Na Assemblée nationale à Boka Moto Moussousou. Voilà, mesdames et messieurs, du Cambo Union Sacrée,
Mais nous avons continué. Bah, tu as reporté la conférence de presse où il fallait qu'il y ait ça là. Il fallait qu'il y ait ça. Nous avons eu en tant qu'informateur, je t'en ai dit, mais en reportant qui conférence de presse. Cause et l'ébanité. Voilà, mesdames et messieurs, le Cambo Italie et nos sacrés. Jean-Pierre Bemba a assigné la RDC son pays en justice. Azo Senga va foutailler 7 millions de dollars. 7 millions de dollars wana. Azo Senga na RDC. Pays na e fouta. Pourquoi? Parce que arrestation na ye na ces pays là qui mala mouté. La RDC n'avait pas respecté d'autres choses. Entre autres, ces militaires, bandomaja qui n'a qu'on aille même ce meuble. Yango zaro senga mbongo wana. Des dommages et intérêts. Tribunal de grande instance ya Congo Kinshasa Gombe. Ba avocat ba lobi niet, c'est impossible. Ba pesi ba idée na bongo ba lobi, c'est impossible. Ba militaire wana bazwa ki mandaté. Bazwa ka pena autorisation te ya kosala buzo ba wana. Le Kambwana etali justice te. To etali Congo te, Congo roki kopé sa mongo wana te pour le Kambwana etali te. Voilà point de vue ya tribunal de grande instance ya Gombe. Ndenge ba répondra ki Jean-Pierre Bemba par rapport ya plainte na ya déposé du contre son pays. Pour éviter les Cambouanes et que ce soit un dégénin, et tout le monde est là, c'est bien l'évolution avec les Cambouanes et Jean-Pierre Bemba dans le pays naïe RDC. Monsieur Thierry Mosemeko, cadre de CCU, parti cher à Monsieur Lambert Mende Omalanga, qui a adhéré d'ailleurs récemment à l'Union Sacrée. Ce monsieur confirme tout simplement que M. Lambert Mende a adhéré à l'Union Sacrée sous l'impulsion de M. Joseph Kabila Kabang. Est-ce que c'est vrai ça? A quoi adhérer à l'Union Sacrée sous l'impulsion de M. Kabila sur base de quoi? Pour quel intérêt, mesdames et messieurs? A l'objet, M. Lambert Mende aïe la union sacrée parce que basola qui na kabila kabila ici est né adhérer la union sacrée bango moko ba yebi pona nini batingi kuna selon monsieur Thierry cadre ya parti ya Lambert Mende et le ce qui singai ezatango batuni est-ce que Félix Tshisekedi Boutretta qui est le cola pantin, le cola placebo, marionnette, quelqu'un sans expérience, un novice. Moutabouna TPI politique. Réponse est M. Thierry Lobby, non. Tout ça c'est rien. Félix est un stratège. Pierre Baki c'est un grand stratège. Alors lui, Panza FCC, et ça il commence à quitter. Mais Félix a réussi à le faire. Donc c'est un grand stratège. Est-ce que ce frère Félix c'est qui est un grand stratège? Moi je dis oui. Je dis oui parce que tu sais que de façon à ce que dans ma camionnette, mon tout monde doit comprendre. Je me rappelle monsieur Kokonyang. Azam toi FCC à l'obac un jour qui tout ça la politique la mboka na biso. Ya ndenge na ndenge. Mais la politique qui nous amène le monsieur Tshisekedi Félix, et un dégain moussousou. Moutoumou, tu as compris. Mesdames et messieurs, vous comprenez que nous avons besoin de la TV du peuple RD Congo. Ah, on est vérité, Zalara. Tshisekedi fait sa politique selon la vision de son père. Azosa la politique. Pour la conseiller, c'est un peuple congolais. Mais il fait la politique pour la conseiller, c'est un peu cannabis. Mais malheur aux ennemis de notre pays.
Malheur aux gens qui pensent que Mboka Lusu est sauté. Voilà. D'où la lobby, ce qui M. Lambert Mende a eu dans l'Union sacrée pour la co-espionner, pour bébiser ma vision à chef de l'État, je pense qu'il y a beaucoup d'un peuple congolais dans là. Peuple congolais à l'élo, il y a peuple congolais à Kalati. Il y a Kalabazala qui est distrait. Je m'excuse. Mais le peuple congolais doit comprendre ma solo, la politique, ni les autres tambours là. A quoi qu'on dit ma chose, vous avez un athée, mesdames et messieurs. Ce qui la mère Mende a eu la union sacrée pour la question de chef de l'État, Félix Tshisekedi, tu as eu ma boko. Nous sommes là pour la critiquer, batou, non. Nous sommes là pour dénoncer Mabé au Batou Basalaka. Le système politique y a Mabé, y a Mabé qui te dénonce. Voilà. Voilà. Donc, ce qui est le lot, il y a FCC, il y a FCC, il y a l'Union Sacrée. Il y a l'Union Sacrée, ils ont été pour partager le gâteau. Non. L'Union Sacrée, ils ont été pour kabola batu mbongo. Non. L'Union Sacrée, ils ont été pour s'enrichir illicitement. Non. L'Union Sacrée, ils ont été pour répondre à l'attente du peuple congolais. Alors, bino batu bozo utabisika ya nenge na nenge pona kwa adhirena yon sakri, puja chef de l'État. Vous devez obéir aux ordres du chef de l'État. Vous devez travailler selon la vision du chef de l'État, afin que le peuple congolais accepte là. Voilà même raison ya création ya yon sakri, mesdames et messieurs. Un professeur, Moro Boye, alors, le but, monsieur Félix, c'est ce qu'il dit, après, il y a un Kabila. Bon, le but, le col à Kabila, tu vas comprendre, tu vas croire toujours que nous sommes tous à conduire, nous sommes tous à conduire. Bon, le but, c'est qu'il y a Kabila à se retirer pour un moment. À penser d'abord, FCC, tu vas comprendre que non, il ne fait rien. Maintenant, c'est Tshisekedi qui fait. Il faut qu'il tire les ficelles. Après 2 ans, Kabila Kouti Kozonga Sikoyo aux affaires de la République. Mesdames et messieurs, j'ai dit c'est faux. C'est faux, mesdames et messieurs. Le monsieur, monsieur Kabila, tranquille. Il a fait son travail pendant son temps. Où il attend, il a fait tu sais que de Tshilombo. T'as un mot de Zalaka, il est caca. T'es un mobou, y a Laura de Zé Kabila. Ils allaient rapper. T'as y'a Monsieur Joseph Kabila Kabangi. Ils allaient rapper. Déjà, c'est le qui? Boutique est tranquille. À vivre tranquillement, la bananaye. À s'occuper de la vie, naye. Quand on a combien d'enjeux, t'es dans ma camoro, boisangatina. Et c'était bien au moment que tu sais que Dina Félix Basolui Balobi non, on s'est retiré pour un moment et puis au Kozonga sur les affaires. Mesdames et messieurs, mais c'est faux. Tu sais que Dina a ses 2 mandats. Il va faire 10 ans. Et il fera 10 ans au cas où élection et salami en 2023. Et pour faire les élections en 2023, il faut que respecter ma préalable, entre autres, assurer la sécurité de ces élections. Passage d'identification de la population. Nettoyer le fichier électoral. Voilà. Ce qui va respecter ma préalable, Oana, élection au Salaman 2023. Peu Félix, on s'en a 2 mandats. Mais au cas où ma préalable, ils ont respecté, pour vous la titre, vous allez respecter pour ma Kambouana à l'élection. Et Salaman. De l'Ondaki. Déjà, on est bien dans l'Obaki. Pour qu'il y ait des bonnes élections, des élections transparentes, crédibles, il faut tout le canal, identification de la population. Parce que le chef de l'État, Thiam Mordicus, a livré une carte fiable d'identité au peuple congolais. Il y a une politique où politique a fait ça pour appliquer, et ça politique à l'icolo. C'est pourquoi Koukonyangi a compris la Kangote. C'est pourquoi Koukounia a fait un rameau de Tilelou.
Voilà, mesdames et messieurs. Makamambo a mis les okendele. Kedi Baba Tchungwa Kumwanza est monté au créneau depuis le Lubumbashi, disant qu'il y a des jeunes drogués qui veulent déclarer l'indépendance de la province du Katanga. Mesdames et messieurs, Balobi province ya Katanga est lié au pays. Est-ce qu'il va kokoka? Est-ce que les Camerounais et Kosimba? Il s'agit de vous rappeler que M. Tchungwa Kumwanza, Azana Grand Katanga, le Kola Pion et chef de l'État, tu sais qu'il dit. Il soutient le chef de l'État dès son accession au pouvoir. Ce M. Tchungwa Kumwanza ne passe pas par le dos de la cuillère pour dénoncer les mal. Il y a Batu Oyo, Bazako Bambo, Anabiso. Il le dit clairement qu'il y aurait des jeunes drogués. Bah, oh, bah, ça, pour nous, quand vous paralysez, vous n'avez pas déclaré l'indépendance, il y a Katan, à l'euro, la pays. Bah, tu vas me faire trop. Est-ce que vous avez un bah, qui va s'amali, bah, Moïse Tchombe. Bah, mais quoi, c'est le est-ce que vous avez un je vous dis que Congo, il faut s'en aller au Moko. Nous devons être unis, mesdames et messieurs. Il faut s'en aller unis pour tout le monde au cannabis. Ce qui va tourner, va se préparer coup. Pour la comparaison au cannabis, mesdames et messieurs, je vous dis que le peuple congolais a éveillé et a contrecarré. Marcelino Soana. Ce qui est sangani, naibi qui est mort à la bise qui si nous nous alignons derrière la vieille chef de l'État, mort à la bise qui mesdames et messieurs, qu'est-ce qui est fait, ce qui est fait, Yamabe, où ils ont poussé, bah tout le monde qu'est-ce que tu sais qui a fait de mal pour épouser, bah tout le monde tout ce qui a mis Mamabe est congolais. Chers compatriotes, tout ce qui a mis ma mabé, ne cherchons pas à battre les bandes à Kokonzabis, non. Dieu vous a donné quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'ailleurs qui connaît Dieu, quelqu'un qui a les soucis de notre pays, quelqu'un qui a ce qu'on appelle l'humanisme, quelqu'un qui veut le développement de notre pays, mesdames et messieurs. Pourquoi les combattre? Mais que vous le savez, vous avez un kindoki quoi? Vous avez un kindoki, mesdames et messieurs. Je pense que vous êtes en train de comprendre Bissian et Bissot Zokendele. Est-ce que tu sais que dit Félix, tu sais que dit? Azan a posé à côté comme beaucoup en abuso. Non. Tous les efforts consentis par ces messieurs, tu sais que les gens ont besoin de mon ango. Et ça, tu as colobaté. Ceux qui m'ont dit ça clairvoyant, à l'ingénieur Likambo, ne peuvent pas comprendre l'ango de la rapace. Pour arriver à comprendre, il faudrait que je pose à la clairvoyant. Tu sais que dans le bango, qui n'a pas fait ça, Ngolou, il y a quoi, il y a ni Makanisi Yamoto. Il y a quoi oyo mouto aligné à ça là. Abadal gamasso de mouto, mesdames et messieurs. Lélo. Peuple congolais, c'est pélité. Est-ce qu'il y a un moutéage et silité? Tout ce qui est carabiloba, le basso qui est camounan aussi, il commence à soukater, mesdames et messieurs. Et puis, dans ce cas, moi. En bout d'âge, si la Kinshasa, ça va être dans le Belangoti. C'est ma mabé. En bout d'âge, si la Kinshasa, ça va être dans le Belangoti. Mais tant que sur des motos, j'arrive dans en construction. Mais il faut aller voir. Kofin a fait ce qu'il dit. Mais n'est-ce pas? Mais ce qu'en bout d'âge, si. Silence total. Pour l'amputer à mabé. L'amputer à ma casse.
Leila Zeregui remplacée par Madame Bintou Keïta. Madame Bintou Keïta, mesdames et messieurs, Aza Guinéenne. À côté de Makambo au Italie, Monisco, je pense depuis 1989, si je ne me trompe pas. Mais à jouer Baron les Bits dans l'Union Sacrée. À jouer Baron les Bélés, mesdames et messieurs. Les plutôt dans la Monisco. Bon, excusez-moi pour la technique. Est-ce que cette dame a co-travaillé selon les désirata du peuple congolais? Parce que Madame Leila Zeregui n'a rien fait. Ça, je vous dis vrai. Que Madame Leila Zeregui n'a rien fait. Mon discours, c'est la grande pour assurer sécurité. Mais la est n'abuse depuis plus de 20 ans. Guerre et à la caca. Guerre ici l'a raté. Oh, ce qu'on bâti, écoute, oiseau noir, Guinéenne, Madame Bintou Keïta, est-ce que, à Koko Kako Sala Moussala, n'est-ce pas peuple congolais à Zakolinga? Est-ce que, à Koko Sala, réforme au sein de la MONUSCO pour que sécurité, écoute, en bon abisso? Parce que le souci primordial du chef de l'État, Tshisekedi Félix Antoine, est-ce qu'on pacifie Est? Et ça qui est l'Est, c'est qu'on va vivre en paix comme on va vivre ailleurs. Est-ce qu'il y a un Kino Baza plus que Congolais qui va trouver dans l'Est? Est-ce qu'il y a un Kanangé, un Bambujimayen, Baza plus que Congolais qui va trouver dans l'Est? Je ne pense pas. Mais pourquoi va l'Est va continuer à vivre dans Mawa? Toujours dans l'insécurité, Kobomabango chaque jour. C'est déplorable, mesdames et messieurs. Espérons que cette dame, Bintou Keïta, fera de son mieux pour répondre aux attentes du peuple congolais. Il faut aïba que non, qu'aux allers représentants, il y a Monisco dans le cannabis, c'est une lourde charge. N'ayez à ce pays, à quoi représentante, il y a Monisco dans le cannabis, RDC. Il faut aller quoi assumer ma responsabilité naïe. Il faut aller comment que le moyen y a coûté au peuple congolais à l'aise. Entre autres, surtout dans l'Est qu'on a. Donc total, mesdames et messieurs, qui na Ituri, bah tout bonnement 46 pygmées. Par les milices, les miliciens, il y a Codeco. Mais ceux qui m'ont dit cannabis, c'est ça qui sécurisait la frontière. Je ne pense pas qu'il y ait des rebelles qui ont dit cannabis. Nabeïnikouna, chaque jour, on viole, on pille et on tire. Pourquoi? Parce que sécurité dans ma capacité. Mon usage comme ça, là, n'est nini. Mais ça va sur sécurité, un peuple. Mais depuis plus de 20 ans, tout le monde a changé dans le cannabis. Est-ce que Monisco a été complice? Tout a été complice dans la tuerie où il y a le cannabis. Pourquoi a été comme un niveau y a côté qui met le cannabis? Espérons que l'école de guerre, ouverte par le chef de l'État en synergie avec le français, et qu'on puisse répondre à l'attente du peuple congolais. Voilà, mesdames et messieurs, elle a une responsabilité accrue et bientôt, et qu'on a la remise de reprise entre Madame Leila Zeregui, la représentante sortante, et Madame Bintou Keïta la Guinéenne, qui va posséder bientôt le pouvoir. Félix Tshisekedi a des ambitions merveilleuses pour notre pays.
Mais je suis un peu plus de mesdames et messieurs. Je suis un peu plus toucher le boko. Quoi qu'il y ait. Si on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de n'y a rien. Les négociations entre Tshisekedi, Katumbi et Bemba, ainsi que Batulukwebo, vont bon train. Je me suis permis de parler aujourd'hui à Lingala, beaucoup plus Lingala pour nous faire comprendre Bino, parce qu'il ne va pas réclamer le Bino français de qui trop, il faut vraiment Lingala. De répondre. Nous allons apprendre à correspondre à la demande de Bino, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez compris l'information de Bino. Boutique et Bioka, Yoka, je répète, mesdames et messieurs. Quand les gens cherchent à éliminer Félix Tshisekedi, Bozo le Belangote. Or, ils ont tout oyo, ils ont fait la Bongsambour en abysso. Combien de fois, mes cailles, mes simmates, mesdames et messieurs. Bah, côté là, qui n'est là, il y a un fou, bah, ma boma. Il y a déjà mon fou, un pistolet. Deux mon amour, il y a un bon. Il y a un Motorola, un téléphone Android. C'était des voix concoctées pour la Koulouka, comment pour mon chef de l'État. Zambala la raté, Zambazana et Kakas. Tout ça, mais la rende à ma son maraït. Congolais, c'est pédé pour nous appeler si le président bien. C'est pédé pour nous le président bien. Vous avez suivi, mais sans doute, je parle Mandibou. DG d'Horizon Team. Il est économiste. Vous l'avez suivi quand la plateau n'a mis sur Oyo. Botola qui m'a cambo à l'oba qui pour na IGF. IGF Oyo, balongo la gana 2011 et pas ya premier ministre honoraire Adaf Mouzitu. Mais c'était une stratégie pour la pour comment pour y baka mongo ya Congo. Il a expliqué convenablement que IGF faisait Moussala Kitoko, puis Moussala Makasi, pour la besoin de sa gama mongo au nyonso ba iba. Mais structure wana mutu ou la société yango a ressuscité yango nan c'est Tshisekedi Félix. Et vous avez vu des résultats, mesdames et messieurs. Vital Kamerhe aujourd'hui est en prison. Bazé Béli Boba est en prison à cause ya Kimoibi, à cause ya détournement. Mesdames et messieurs, Bolingi nani a consacré nous, Mouta Libanda. Voilà, mesdames et messieurs, donc tout le Kakoma pour son chef de l'État à Kendeli Bosso. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Vous avez compris la quintessence de notre émission d'aujourd'hui. Mais pour comprendre l'information de Pessibino, Boutique Bioka, Bioka, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à Symphorien Kalala. Merci beaucoup à Elidor Tiama, qui nous a toujours suivis depuis le Bombashi. Merci beaucoup à Franck Kadi et Loïs depuis le Bombashi. Merci beaucoup à Nathan Kazadi. Merci beaucoup à nos chers internautes depuis la Zambie, M. François Kiapikapikwadax et M. Cédric, un partenaire infaillible et de loin, voilà, M. Cédric Kiapi. Merci beaucoup à vous tous, merci beaucoup à Mme Vainqueur Ngalula, Mme Vainqueur plutôt Kapinga, à Sungabiso Makasi. Voilà, merci beaucoup à mon caméraman Joseph Ntumba. Moi, je vous dis au revoir et on se voit très prochainement avec mon confrère Shadrach Ndibou. Ciao.